Son Naira. Ah oui, la moto c'est 300. Tu connais pas les prix des motos. Dégage de là. Ah. Bonjour madame et bonne arrivée. Salut madame. Voulez-vous quelque chose de particulier? Je peux vous aider? Je vais d'abord regarder. C'est vraiment cher. Oui. Comment tu vas? Oui, je suis présentement en chemin tel que nous avons convenu. J'espère que tu as compris tout ce que j'ai dit. Je veux zéro distraction. Je veux que cet endroit soit bien propre quand je serai arrivée. Oui. Merci. À tout à l'heure. Demolay est en train de m'écrire. Qu'est-ce que veut cet idiot? Et tu prends ton pied? Arrête un peu de me stresser. Cet idiot m'a fait traverser un tas de choses. Très bien. J'aime ça. J'espère que tu ne prévois faire quelque chose avec lui. Seigneur, non. J'en ai terminé avec cet idiot. Il dit qu'il veut m'amener à aller faire du shopping. Qui suis-je pour dire non? Superbe. Sois avec lui. Salut tout le monde, je suis vraiment désolée, vous devez partir maintenant. Je suis vraiment désolée, merci beaucoup pour la compréhension. Merci, merci d'être venue. Vous n'êtes pas sérieuse, je n'en ai pas fini, je fouille encore. Madame, je suis très sérieuse. Vous ne faites que tourner dans la boutique et vous ne prenez rien comme une crevette. Si vous avez voulu prendre quelque chose ici, vous l'auriez dû faire depuis longtemps. Vous ne faites que monter et descendre, vous touchez à tout comme une crevette. Hein? Je vois depuis ma caméra. Donc c'est comme ça que tu parles à tes clients, c'est ça? Je m'en excuse, mais vous devez vous en aller, je vous en prie. Je fouille encore.
Madame. S'il te plaît, baisse d'un ton. Me parle pas ainsi. C'est quoi ça? Je peux acheter tout ça si je veux. Je peux t'employer. Qu'est-ce que c'est? L'argent, c'est rien pour moi, hein? J'essaie d'être civilisée. C'est pas mon problème. Salut. Merci beaucoup d'être venue et nous sommes prêtes pour vous. Je ne le pense pas. Eh bien, j'ai pensé t'avoir demandé de nettoyer cet endroit avant que je n'arrive. Oh oui, je l'ai fait. Mais celle-ci veut jouer les têtues. Madame, vous devez vous en aller maintenant. J'ai cru que t'as dit que tu partais parce que tu voulais fermer et aller quelque part. J'ai pas dit ça. Je l'ai pas fait. Alors, tu penses qu'elles sont mieux que moi? Tu penses qu'elles sont mieux que moi? Pas de problème. Ces choses ne méritent même pas mon argent. Tellement moins cher. Vas-y, vends-les. Je vais ailleurs avec mon Merci. Argent. N'importe quoi. Merci beaucoup. Y a-t-il un problème? Non. Ne vous en faites pas. La boutique est seulement à vous. D'accord, s'il te plaît. Puis-je avoir deux bouteilles de champagne et du verre, s'il te plaît? Merci. D'accord, sans souci. Qu'en est-il de ceci? Prenez tout votre temps, surtout ne vous pressez pas. Elle a touché. Ah, d'accord. Waouh, regarde ceci, c'est beau. Ça va tellement bien aller. Allez, dépose ça ici. Blessing? Blessing! 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 Regardez-moi ça! Qu'est-ce que ça signifie, non? T'es dit de ne plus faire ça. Arrêtez de faire quoi? Blessing, arrêtez de faire quoi? Regarde-toi. Tu dors comme un fargot de bois. Sérieusement, ça fait près de 30 minutes que je t'appelle et tu ne t'es même pas bougé. J'ai cru que quelque chose était arrivé. Tu étais couché comme un cadavre. Blessing, tu ne vas pas travailler? Je partirai, non? Ah, quelqu'un qui travaille ne dort pas? Je faisais ce rêve, un beau rêve. Maintenant quoi? Hein? Es-tu ennemi du progrès? Regardez-moi ce beau rêve. Et tu viens la me verser de l'eau. Ferme ta bouche. Joseph le rêveur. Ce n'est que de l'eau froide. Écoute, la prochaine fois, ce que tu auras, c'est le Mentim Jong. Maman, n'essaie pas ça, oh. N'essaie pas. Ah bon? Blessing. Ma blessing. Fais-toi une faveur. Fais quelque chose. Lève-toi. Hein? Donne un sens à ta vie. Maman, hein? S'il te plaît. Ma vie a un sens. Ça prend juste du temps. Hein? Tu seras choquée. Oh, c'est ce que tu penses? Tu doutes de moi. Tu seras choquée. Tu vas me choquer, moi? Oui. Blessing. Joseph le rêveur, mais comment? En dormant 12 heures par jour, Blessing? Une femme déjà accomplie. Tu sais quoi? Tu vois ceci? Elle est froide. La prochaine fois, ce sera de l'eau chaude. Lève-toi et va te préparer, aller au boulot. Qu'est-ce que ça signifie? Tu vas surprendre qui? Regardez-moi ça. Et qu'est-ce que ça signifie? Ah, Blessing, tu es encore là?
Bonjour. Oh, ma chérie. Comment vas-tu? S'il vous plaît, que voulez-vous manger? Commençons avec ton sourire. J'ai beaucoup de clients. Qu'allez-vous manger? Je veux te manger. J'ai de la clientèle. Ah. Pardon, dites ce que vous voulez manger. C'est pas toi qui as commencé avec ce gros français. Tu sais ce que je mange d'habitude dans ce restaurant. Apporte-moi le foufou. Le foufou et les gossis. S'il y a du chat qui mêle. Vas-y, continue. Regardez comme elle est jolie. Oui. Ma chérie, vivons la vie d'Aloca. Tu peux redire ça. Es-tu là avec Emeche? Qu'est-ce que tu crois? Eh bien, j'ai d'abord pris les devants et il me rejoint demain. Il est trop occupé. Et en attendant, ta petite chérie se fera plaisir dans un 5 étoiles l'attendant. Oh! Oui. Mignonne fille. Bébé, je suis fan de tu toi. Tu dois être ma fan. Ma vie est une vie de superstar. Mmh. Tu sais quoi, ma chérie? Ne pense pas trop à moi quand je serai partie, ok? Je vais essayer. Achète-moi quelque chose quand tu rentres. Mais tu sais, ma chérie, je couvre tes arrières, sans quoi. Tu vas tellement me manquer. Profites-en pour deux, pour deux. Bien sûr, bien sûr. À plus, à plus. Souris un peu. Ah ah! Pourtant, si tu souriais, la nourriture descendrait ça. Yeah! Tu me tripotes? Ah ah! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est? Ah ah! Pourquoi tu me gifles ici? Ah ah! Parce que je joue avec toi? Juste à cause d'un petit jeu, c'est pourquoi tu me gifles comme ça? Je dis qu'on était camarades de jeu? Ah! Toi qui es en train de jouer? Hé! Hey. Ah ah! Regardez cette petite fille! Mais ah, que se passe-t-il encore? C'est bon, Ada, c'est bon. Est-ce une mauvaise chose que je sois venu manger dans ta cantine? Mais non, tu es notre client et tu as l'habitude de venir ici. Parce que je ne comprends pas ces filles inutiles que tu embauches pour venir servir ici. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Tu imagines cette stupide fille? Tu es stupide. Ah, ah, monsieur, monsieur, ça va, ne vous mettez pas en colère, s'il vous plaît. Peux-tu imaginer que cette petite fille m'a giflé? Blessing, pourquoi tu gifles, monsieur? Ça va, pourquoi tu fais une telle chose? C'est lui qui a commencé. Allez, excuse-toi immédiatement, excuse-toi. Excuse-toi. Madame, j'ai dit que c'est lui qui a commencé. Allez, présente tes excuses. Il a commencé quoi? Présente-lui tes excuses. Présente tes excuses à ce client. Oh. Non, attends. Tu veux pas t'excuser? Non, en fait, je veux même plus tes excuses. Je n'en veux même plus. D'ailleurs, j'ai perdu l'appétit. Je mange plus. Je vous en prie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'aimes pas quoi? Ne vous fâchez pas. Mais Blessing, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange, non? Tu as mangé la folie. Tu prêtes la sorcellerie, mais qu'est-ce qui te dérange, franchement? Il m'a touché les fesses. Il a touché tes reins, et qu'est-ce que cela veut dire? Ça pourrait être une erreur, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas une erreur. Oh, c'est pas une erreur, tu vois ce repas? Tu paieras pour ce plat, wallahi. Prends ce plat et mets-le dans ton stupide sac. Tu dois payer pour ça. Porte ça maintenant. C'est comme si les femmes n'avaient plus de droit ici. Blessing, tu me pousses dans mes limites dans ce restaurant. Monsieur, j'espère que vous profitez de votre repas. Merci beaucoup, hein. Bon appétit. Blessing! Blessing! Tu t'enfuis, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, je t'attraperai. Ne t'en fais pas, je te retrouverai. Bien sûr qu'il n'y a personne d'autre. Regarde ça. Regarde-toi. Je t'en prie, réduis ta voix. Réduis ta voix. Réduis un peu ta voix. Laisse-moi que tout le voisinage l'entende.
Il devait savoir qu'il est parti en Europe. Ah, ça, vraiment. Et qu'il est revenu comme si tu étais derrière la maison. Cet homme s'est battu. Regarde comment tu brilles. Regarde à quoi ressemble ta copine. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as aussi manqué. J'espère qu'il y a les cadeaux dans ce sac. J'ai des belles choses pour toi. Je te fais confiance. Tu me connais, non? Qu'est-ce que j'ai manqué? Rien de grave, ma sœur. C'est maman qui a encore ses problèmes. Ah, mon Dieu. Sa tension est partout. Cette femme ne veut rien entendre, elle ne veut pas se détendre. Maintenant, je planifie aller chez elle pour essayer de la calmer. T'en fais pas, je suis de retour et tu sais que je sais, mon système de soutien pour la vie. Pardon. Est-ce que tu ne vois pas tout ce qui se passe? Croyez en moi. Ikororiko. Blessing, viens ouvrir cette porte. Tu sais que tu es là-dedans. Chut. Ah. Mais... Chut. Laisse un temps. Pourquoi? Chut. C'est qui frappe? Pourquoi ne devrais-je pas... Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu vois, Blessing? Tu vois ta vie? Tu vois ce que maman, je te dis souvent? Maintenant. Hein? Est-ce que... Maman, s'il te plaît. Toi, cette fille, bientôt tu te transformeras en voleuse. Et quand cela arrivera, tu me vois, moi. Je t'amènerai à la police, ils t'enfermeront là-bas. Chut. C'est bon, aide-moi. Laisse-moi. Non, maman, calme-toi. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, maman, je vais me tuer. Regardez-la. N'est-ce pas, je t'ai attrapée aujourd'hui? Tu pensais que je ne te retrouverais pas? Maman, tu vois Blessing? Blessing me doit 5000 Naira. Les vêtements que quelqu'un m'a donné que je l'aide à vendre. Blessing en a pris 3. Depuis 2 mois, c'est pourquoi elle me fuit. Tu ne m'as même pas appelé que tu venais. Alors je devrais t'appeler? Quand tu me vois en route, tu t'enfuis, n'est-ce pas? Moi, fuir? Je ne comprends pas, j'ai peur de toi. Pourquoi devrais-je fuir? Blessing, écoute, s'il te plaît, je veux mon argent. Allez, calme-toi. Viens t'asseoir et mange. Dégage-la. Viens t'asseoir. Maman, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Blessing. Toi aussi, ton sang chauffe. Quand on s'en chauffe comme ça, tu dois te calmer. Hein? Je ne comprends pas. Il y a ce champagne qu'ils m'ont donné comme souvenir à la fête la semaine dernière. Blessing, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas intéressée. T'es venue chez je moi. Ne suis pas. Écoute, hey, Blessing, Lisa, je ne suis pas intéressée par ce que tu racontes. Monde, je veux mon argent. Monde. Quand un visiteur vient, tu lui sers à boire. Alors je veux ouvrir ma bouteille spéciale. Je vais faire péter ce champagne. Blessing, je ne suis pas intéressée. Tu ne prends pas du champagne? Oh mon Dieu, tu ne prends pas du champagne. Je ne suis pas intéressée. Ah, bon, d'abord, détends-toi. 35 000, c'est 35 000. Je veux ça mon argent. 35 000. Donne-moi donc mon argent. Ça dépasse 35 000. Ça ne dépasse pas, il n'y a pas de souci. Je veux mon argent. Ça ne dépasse pas. Ah, ton sang chauffe beaucoup. Ce n'est que 35 000. Oublie ça, ma chérie. Attends, j'apporte une idée. Cette fille perd la boule, quoi. Blessing, gardons bébé. Là-bas. Ah, Blessing. Ne me dis pas que tu es toujours en colère contre moi. Pourquoi ne serais-je pas fâchée? T'as voyagé jusqu'à Abuja et t'es rentré les mains vides. Pourquoi? Tu ne peux même pas acheter quelque chose de bien à ta petite. Tu n'es même pas entrée dans une boutique pour me prendre du Gucci ou du Fenty ou même Prada. Mais Blessing, ce que tu es en train de faire maintenant là me choque. Parce que c'est à toi que j'ai dit que ce voyage que je faisais, ça concernait le boulot, c'était pour le boulot. Et alors? Donc tu ne pouvais même pas prendre quelques minutes, après tu vas venir m'appeler ta chérie. Ma chérie dans la bouche, c'est pas normal. Ah, même l'argent que tu m'as promis, tu sais que j'attends toujours. Blessing, j'arrangerai ça, d'accord? C'est ça. Mais pour l'instant, les choses sont vraiment difficiles. Depuis le mois passé. Ah. Depuis le mois passé. Ok, attends, laisse-moi voir si je peux... gérer ça. Ok. Alors voici ce que je pourrais te donner. Mes blessings. Attends, je te... Ça va, calme-toi, mon amour. Mon bébé. Maintenant, tu parles bien. Mon bébé. Maintenant, tu parles bien. Calme-toi. Maintenant, je vais te comporter comme un bon garçon. Ok. Profite ton repas, tu sais quoi? Ah oui. Dis-moi ce dont tu as besoin. De l'eau, ça ira. Juste de l'eau. Ah oui. J'arrive, hein?
Mon amour. Aïe. Ah, Blessing, pourquoi tu me donnes 1000 naira? C'est 1000 naira qu'il t'a donné pour ce repas? Mais madame, c'est à ce prix qu'on vend le riz et le poisson. Dans cette boutique. Ok, c'est à 1000 naira qu'on vend le riz et le poisson. Est-ce que c'est 1000 naira qu'il t'a donné? Madame, c'est l'argent du... Attends, Victoria, à combien vend-on le riz et le poisson? N'est-ce pas 1000 naira? Ah, madame, voilà votre argent. Ok, Blessing, donne mon argent ou tu t'en vas de ce restaurant. Madame, cet argent, mais non. Quel argent? Madame, ça c'est pour moi et voilà pour le toi. Le tien dans ma boutique? Si tu veux travailler ton propre argent, va dans un hôtel et travaille ton propre argent. Tout argent que tu prends dans cette boutique, dans ce restaurant, il est à moi. Donne-moi cet argent ou tu t'en vas d'ici et tu madame, n'as plus de boulot. Madame, mon petit ami m'a donné cet argent. Ton copain t'a donné cet argent? Oui. D'accord, Blessing, sans problème. Allez, va-t'en de ma boutique. Pour aller où, non? Va-t'en d'ici, va où tu veux aller, mais va-t'en d'ici maintenant. Ou alors donne-moi de l'argent que tu as sur toi. Madame, je ne peux pas te donner cet argent. Ok, tu ne peux pas me donner cet argent? On dirait que c'est l'eau du poisson que tu veux que je verse sur ton visage, là. Si tu ne pars pas de ma boutique maintenant, je te verserai de l'eau du poisson. Pardon, assez. Ah, ah, ce petit argent que quelqu'un a eu, tu veux le récupérer? Donne mon argent ou tu t'en vas pardon, de cette je boutique. Je pars, prends ton chapeau. Ah, ah. Je ne t'en veux pas. Va dans ton village, tu vas faire tes conneries ou tu vas dans un hôtel. N'importe quoi. Toi, quand je parle, tu mets ta bouche, n'est-ce pas? Tu dis qu'un plat de poisson riz coûte 1000 naira dans mon propre restaurant. Non, madame. Non, tu es son témoin, ne t'en fais pas, j'arrive pour toi. Ne vous en faites pas, je sais où je vous mettrai toutes, vous comprenez? Blessing? Blessing? Ah! Tu n'iras pas travailler? Je te parle et tu ne réponds pas. Maman, n'essaie pas ça. N'essaie pas ce que tu veux faire. Que je ne le fasse pas? Alors pourquoi t'appelles ta mère et tu ne réponds pas? Hein? Mon esprit était ailleurs. Ce n'est que de l'eau, non? Quand je te verserai cette eau, tes sens reviendront. Hein? Tu ne vas pas travailler? On m'a renvoyé. Hein? Ah ah. Renvoyé? Qu'est-ce que tu as rien fait? Rien du tout. J'étais juste là à m'occuper de mes clients. Et ma madame est venue comme quelqu'un qui était possédé et m'a renvoyée juste comme ça. Impressionnant. Elle est jalouse de moi. Parce que... comment es-tu? Oui. Aïe. Jalouse de toi? Blessing, tu veux dire que quelqu'un peut se lever comme ça et que cette femme est juste jalouse de toi? Ce n'est pas clair. Blessing, ça ne se passera pas si tu m'entends. Je ne passerai pas mon temps à m'occuper d'une grande fille. Qu'est-ce que je raconte? Une fille qui est déjà censée être dans la maison de son mari. Est-ce que je t'ai demandé de prendre soin de moi? Est-ce que je te l'ai demandé? Ok, tu ne me l'as pas demandé. Non. Ce n'est pas possible. Écoute, quand j'aurai terminé la cuisine, surtout ne fais pas un tour. Ne touche pas à ma marmite. Ne touche pas à ma marmite. Reste là, blabé comme du n'importe quoi. Regardez-la, moi. Si tu sais ce qui est bien pour toi, lève-toi et prépare-toi pour aller travailler. Tu veux que je me tue? Tu veux que je me tue? Qu'est-ce que c'est? Cause de ces histoires de nature. Oh mon Dieu! C'est quoi ce genre de connerie en pleine nuit? C'est quoi ce genre d'embarras? Où vais-je commencer? Hein? Et ce chauffeur stupide qui m'a dit qu'il arrivait depuis très longtemps? Que vais-je faire? Où vais-je commencer cette nuit? Ce chauffeur ne se sent pas bien. Pourquoi est-ce que tout ceci arrive aujourd'hui? Que se passe-t-il? Où vais-je trouver de l'eau? Ah mon Dieu, qui vais-je appeler maintenant? Hein? C'est quoi ce genre de tentation? Mon Dieu, où vais-je demander de l'aide à cette heure? Que quelqu'un vienne m'aider ou... Ouh!
Comment cette voiture peut me faire une telle chose? Dieu, ah, où vais-je trouver de l'eau? Pourquoi tout ceci? Pourquoi aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Je suis désolée. Non, ma voiture est en surchauffage, j'ai besoin de trouver de l'eau. De l'eau? Oui. Juste de l'eau? Oui. Donne-moi 20 secondes. Vous êtes sûre? Oui. Que... Waouh! Merci. Pas de problème. Merci beaucoup. Tu ne te rappelles plus de moi, n'est-ce pas? Désolée, non. Eh bien, tu étais à une boutique il y a une semaine. J'y suis allée faire des achats et t'as demandé à ce qu'on nous mette dehors. Ah, mon Dieu! Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'était toi. Oui. Je suis vraiment désolée. Je n'aime pas faire les boutiques en public. J'aime faire mes choses en privé. Je suis vraiment désolée. Ouais, est-ce qu'il y a quelque bon, chose que je peux... Fais-moi confiance, ça va. Je n'ai rien contre ça. En fait, tu m'inspires. Ok, es-tu sûre? Ouais. Vraiment? Ouais. C'était vraiment cool. Oh, merci beaucoup. D'accord, je suis vraiment désolée. Mais comment puis-je vraiment rattraper tout ça? Je n'aime pas être redevable. Non, rien du tout. Non, j'insiste. Je vais bien. Non, donne-moi ton numéro, on va déjeuner ensemble. Vraiment? Bien sûr, pourquoi pas. Ok, tu peux mettre ton numéro. Ok. Tu viens de me sauver la vie. Blessing. Oui. Je t'appellerai à coup sûr. Pas de problème. Blessing, dis-moi, où vas-tu pour que je puisse te déposer si ça ne te dérange pas? Non, ça va, c'est mon quartier. Je suis dans mon quartier. Ça va aller. Conduis prudemment, ok? Oui, bien sûr. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Pas de problème, conduis prudemment. Oui. Fais attention à toi. Allez, bye. J'étais bloquée, tu sais, je suis déjà en chemin. Déjà en chemin, je sais, désolée, je sais que je suis en retard. Entrez. Salut. Salut. C'est superbe. Bon après-midi. Comment tu vas? Je vais bien. Ta maison est très jolie. Merci. Je t'en prie, prends place. Merci. Alors, Blessing, comment tu vas? Je vais très bien. Oh, désolée, pardonne mes manières. Qu'est-ce que tu aimerais prendre? Qu'est-ce que je peux t'ouvrir? Du vin, non. Du champagne? Non. Je vais bien. Ça va. Blessing? Ok. Dis-moi, Blessing, c'est quoi ton histoire? Eh bien, je fais juste de mon mieux. Je veux dire, tu sais comment est le pays. Pas de boulot. Je travaillais comme manager dans un restaurant. Mais la propriétaire était jalouse de moi. Je veux dire, elle était jalouse que je sois populaire auprès des clients. Et je me disais que c'était une bonne chose, n'est-ce pas? Je n'avais rien fait un jour, elle s'est levée. À cause de sa jalousie, elle m'a renvoyée. Vraiment? Mm-hmm. C'est être fou, ça. Tu sais, la plupart des gens sont cruels et méchants. Oui. Eh bien, j'aurai un meilleur job, donc c'est bon. Bien sûr que tu le feras. Oui. Alors, cela veut dire que tu cherches un boulot? Oui, vraiment. Ok, alors tu es libre pour qu'on aille faire des boutiques demain. Après, nous irons boire et dîner. Je m'en occupe. Es-tu sûre? Oui. Tu sais, je t'ai pratiquement empêchée de le faire l'autre jour, alors c'est une façon pour moi de te dire que je suis désolée.
Merci, je veux dire, ce sera bien. Il n'y a pas de quoi. Alors, ami. Ami. Je dois t'apporter quelque chose. J'insiste, ok? Ok. Okay. Regarde la maison. Seigneur Khan, Seigneur Khan, réponds à mon appel. Et cette femme stupide était en train de pourrir ma vie. Regarde, les gens vivent bien dans ce lit comme ça. Ah, Seigneur. If I dare for you, sure you go dare for me, sure you go dare with me. If I dare for you, sure you go dare for me. Baby, me motif for fun. Tell it, motif for fun. Share my way of fuck on me. With the kind of love you give me, help me pass upon me. Your love, they shock me, pass high tension. For my mind, you girl, I want to build nation. Just say, just name it. Anything you want, girl, I can get for you. Ça me plaît bien. Tell me what you want from me. Tell me how you want it, girl. Tell me what you need. Ok. Salut, bonjour. Salut, c'est moi, Blessing. J'ai trouvé ta carte de crédit dans le sac. Je suis sûre que tu l'as oubliée. C'est bon, je vais la garder pour toi ou je peux venir chez toi et la déposer. S'il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, à tout à l'heure. Mais pourquoi ce téléphone ne passe-t-il pas? Peut-être je devrais... Pourquoi les caches-tu? Hein, Blessing? Pourquoi les caches-tu? Tu les as déjà achetées. Et je suis très sûre que c'est à Creed, je sais. S'il te plaît. Ne commence pas, s'il te plaît. Pourquoi ne vais-je pas commencer? Pourquoi ne vais-je pas commencer? Si ces vêtements étaient légitimes, tu ne les cacherais pas. En fait, tu t'es mise à les cacher quand je suis entrée. Parce que je sais que tu vas parler. Pourquoi tu dois toujours parler. Blessing, pourquoi ne parlerais-je pas? J'espère qu'on ne viendra pas t'arrêter ici pour une dette que tu n'as pas payée. Tu es sans emploi et tu n'as pas d'argent. Regarde. Maman, pardon, laisse ça. Tu achètes des vêtements chers. Où as-tu trouvé cet argent? Blessing, où as-tu trouvé? Et je suis très sûre que tu as pris ces vêtements à crédit. Hein? Pourquoi ne peux-tu pas vivre avec tes moyens? Écoute, ma chère, si tu veux des vêtements, hein? La friperie est partout et elle est très abordable. Hein? Dis-moi, regarde-moi un peu. N'est-ce pas ça que je porte? Ça ne me va pas là? Hein? Dis-le-moi, je me rassurerai de te faire un très bon choix. S'il te plaît. Un très bon choix. S'il te plaît. Donc mon nom c'est Pauvreté. Je dois ressembler à une personne pauvre. C'est tes plans pour moi? Ce n'est pas ce que je dis. Alors qu'est-ce que tu racontes? Alors, tu veux demeurer fausse? Vivre une fausse vie? Maman, c'est ce que tu veux. Je vise haut. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oui, je vise haut. Ah bon? Niveau élevé. Hein? Blessing. Mensonge sur mensonge. C'est pas bien, c'est pas une vie. Mensonge maman, après maman, mensonge. S'il te plaît. Tu dois arrêter. Je les ai même pas achetées, ces choses sont des cadeaux. Quelqu'un les a achetées pour moi. Menteuse.
Mensonge après mensonge, c'est ce que tu fais. Et tu récolteras. Maman, je ne sais même pas pourquoi j'en parle avec toi. Je ne sais même pas pourquoi j'en discute avec toi. Hein? C'est parce que tu sais que je ne te laisserai pas. Je te connais, tu es ma fille. La seule vérité dans ta bouche, c'est quand tu dis bonjour. Et c'est quand tu le dis au bon moment. Je te connais. Rends-les, oh! Rends-les parce que je ne veux pas qu'on vienne t'arrêter ici. Rends-les! Hey! Hey, qu'est-ce que je ferai de cet enfant? Hey. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille? Mon Dieu, j'ai pas éduqué cet enfant de cette façon. Je l'ai pas éduqué aussi, oh! Hey. Blessing. Et toi, vilain garçon, mais qu'est-ce que tu fais? Tu me lâches? Ne me touche pas. Allez, dégage. Non, ça va aller, ça va aller. Mon Dieu. Allez, viens. J'ai besoin d'une bouteille de plus. Puis-je aider? Ok, je vis bien. Ok. Ne vous inquiétez pas, c'est bon. Une bouteille de plus et j'irai bien. DJ Diamond Star. Je dois aller, viens, y aller. Non, il y a quelqu'un non, qui m'attend là-bas. Je dois y aller. Et pourtant, je t'ai demandé d'arrêter. Viens par là. C'est ici que tout se passe. Hein? C'est là? Tu vas bien. Écoute, je par ici, n'est-ce pas? Par ici. Je te dérange non, là-bas, pas c'est la cuisine. Moi. Par ici. Je vis bien. Non, tu ne l'es pas. J'aime ça. Non, tu ne l'es pas. Merveille. Écoute. Tu ne l'es pas. C'est par là. Là-bas, c'est la cuisine. Tu es sûr que c'est là le chemin? Doucement. Écoute, j'ai envie de rêver. Laisse-moi juste prendre une de plus. Ok, peux-tu me faire une promesse? Repose-toi. Non, couche-toi. Couche-toi. Juste. Laissez-moi tranquille. Ok. Tu es lourde. Est-ce que ça va? Ça va aller. Finalement, t'es debout. Est-ce que tu vas bien? Non. Tu es restée? Oui, il fallait que je me rassure que tu vas bien. Tu n'aurais pas dû te déranger. Quoi? T'étais perdue. Quelqu'un devait se rassurer que tu ailles bien. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Je suis quelqu'un de bien. Tu l'es également. C'est pour cela que tu le mérites. Oui. Oh, je t'en prie. Ne pars pas. Pouvons-nous déjeuner ensemble? Je demanderai à ma cuisinière de faire quelque chose. Crois-moi, tu vas adorer. Ok, bien, je suis déjà là. Donc, ça va aller.
Tu sais, je me fais difficilement des amis. Car je ne fais pas confiance aux gens. La dernière était ma fille Nancy. Mais toi, mon esprit s'est connecté au tien. Alors pouvons-nous être des amis? Bien sûr. Je vais devoir changer ton look. Et qu'est-ce que ça signifie? Je suis sûre que tu sais ce que ça veut dire. Un relooking total de tout. Oh wow. Ce serait magnifique. S'il te plaît, peux-tu... Hey bébé. Non, c'est... Hey, viens là, tu m'as tellement manqué. Tu m'as aussi manqué. Tout va bien, non? Regarde-toi. Ma chérie, quand es-tu arrivée? Je suis arrivée ce matin. Alors dis-moi, comment va ta maman? Comment va-t-elle? Elle va mieux, elle est plus forte, merci. Gloire à Dieu. Salut. C'est vrai, Blessing. Je te présente ma favorite et ma femme de ménage. Blessing. Salut. Est-ce que je te connais? Moi? Non, je t'ai jamais rencontré. Es-tu sûre? Parce que je n'oublie jamais un visage. Eh bien, je t'ai jamais rencontré. Oh, bien sûr, je crois que ça vient de moi, car je poste les photos d'elle tous ces derniers temps. C'est pas possible. J'étais hors réseau pour prendre soin de ma mère, rappelle-toi. Oh. Donc, c'est pas possible. T'es la fille de la boutique. Rappelle-toi de ce jour où nous sommes allés faire du shopping chez Claire. Cette fille qui était fâchée et elle criait, elle ne voulait pas quitter la boutique. C'est elle. T'es la fille fâchée de la boutique. Oh non, si, arrête ça, c'est pas bien, arrête. Tu n'oublies vraiment rien. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Eh bien, Blessing que voici est désormais une amie. Oui, elle m'a aidée, nous sommes inséparables. Elle me plaît. Oui. Alors, nous, noir, vous portez les mêmes vêtements. Ah, que se passe-t-il? Oui, oui, nous étions à une fête sans noir. À cette fête? Oui, c'est ça. Ma puce, tu as manqué beaucoup de choses. Ta présence m'a manqué. Donc, vous êtes amis maintenant? Non, si. Je t'en prie, je suis fatiguée. Je dois me reposer, ok? Ciao, ciao. C'est bon que tu sois rentrée. Alors je voulais commander la robe bleue et la robe blanche. Oh, ok, oui, pas de problème. Oh, c'est déjà vendu. Ok, bien, de combien d'articles parlons-nous? 15, c'est ça? Très bien. Ok, quand aurai-je mes articles? Demain, à quelle heure? Ok, faut pas me décevoir parce que je dois aller quelque part demain soir. D'accord, merci. Je vous enverrai l'adresse de livraison. Blessing, je... Attends. Attends. Tu ne sais pas toquer? Tu ne toques pas? Tu n'appelles pas? Tu débarques juste chez les gens? C'est quoi ces bêtises? Blessing, je suis venue là pour mon argent. T'es venue pour ton argent? Blessing, écoute. Je veux mes 35 000 naira, tout ce que tu racontes là ne me concerne pas. Combien? 35 000 naira, oui. C'est pour ça que tu penses que tu peux juste entrer chez moi comme ça, sans respect. Je pense que je ris beaucoup avec toi. C'est quoi ton numéro de compte? Maintenant, tu parles. Allez, vas-y, prends-le. Pas de manière. Juste pour 35 000. N'importe quoi. Maman, bon après-midi. Comment tu vas, ma chère? Envoyé. Et tu vois les 5 000 naira au-dessus? Sais-tu pourquoi c'est?
c'est pour te taire éternellement. Maintenant, tu vois la même manière dont tu es entrée. Sors comme ça. Finalement. Dégage d'ici. Ah, ah. Merci. Maman, au revoir. Merci. N'importe quoi. Pour 35 000, tu entres chez quelqu'un comme si c'est toi qui avais cet endroit. Comment as-tu eu cet argent? Comment? Où as-tu trouvé cet argent? Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? J'ai dit, où as-tu trouvé cet argent? Tu viens de transférer 40 000 dans son compte. Maman, comment fais-tu comme si 40 000 était beaucoup? C'est juste 40 000. C'est quoi 40 000? Ta fille marche maintenant avec les grandes filles et tu cries pour 40 000. Ne crie pas pour qu'on t'entende. Blessing. Ah, Blessing, qu'on va tu arrêter? Pourquoi? Maman, tu sais quoi? Je t'envoie 50 000 maintenant. Hein? Oui, 50 000. Prends soin de toi, change ta perruque, je te les envoie. Je vais t'envoyer 50 000. Non, tu sais quoi, je vais ajouter. Tu sais, ses cheveux ont supporté, hein? Hein? Tu dois changer ça, pas ces choses que tu mets là. Hé, hey, vas-y, ferme ta bouche. Maman, écoute, quoi? Écoute, Blessing, si tu transfères cet argent dans mon compte, tu m'enverras ton numéro de compte et je te renverrai ton argent. J'ai pas besoin de ça. Maman, je n'en ai pas besoin. Mmh. Mais tu vas toujours changer ça. Tu vois cette perruque? Ça doit partir. Cette perruque doit partir. Maman, cet argent que je t'ai envoyé, achète une perruque. Je n'en ai pas besoin. C'est impossible. Je te transfère ça tout de suite, ok? Je t'aime. Tu as l'air superbe. Merci. Écoute, peux-tu juste te tourner un peu? Putain. Tu es ravissante. Merci. Tu sais, je venais tout ça te prendre. Oh, non, 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 je ne voulais pas que tu stresses. Donc, je suis venue moi-même. J'aime ton apparence. Merci. Eh bien, allons-y. Cela me revient. Nous devons changer ton nom. Quoi? Qu'y a-t-il avec mon nom? J'ai besoin de quelque chose de sexy. Quelque chose de classe pour une fille de la ville, tu sais. Alicia. Alicia? Oui. Ok, pas de problème. Parfait. Parfait. Allons-y. D'accord. Ma chérie. Waouh. Où est mon chauffeur? Oh mon Dieu, où est passé ce type? Chief, Chief. Je sais, allez, Chief. Chief, tu es un vilain garçon. T'en fais pas. Chaton. Bien sûr, Chief. Ok, Chief. J'attends. Bye. Chief est en chemin. Blé. Blessing, as-tu aimé l'ambiance hier? Parce qu'on va en engager une autre. Ah, oh, c'était fabuleux. Oui, mais mon nom n'est pas Blé. C'est Blessing. Ou Alicia. Désolée, oh, Alicia. C'est quoi Blé? Donnez-moi une seconde, je vais aux toilettes. J'arrive. Excusez-moi, ne prenez pas tout votre temps, je reviens, ok? Écoute, tu peux ressentir qu'elle est fausse de très loin. Ce qui me fait reposer la question, que fait-elle encore ici? Je veux dire, je comprends, elle t'a aidé et tu lui as dit merci. Laisse-la partir. Non, si, arrête. Elle n'est pas fausse, ok? Elle essaye de s'habituer. Elle n'est pas habituée à ce genre de vie. T'es sérieuse? Je suis juste inquiète pour toi. Honnêtement, t'es en train de trop te rapprocher de cette fille plus que tu ne l'as fait auparavant. Écoute, je sais que t'as un bon cœur et tout ce qui va avec. Mais je suis inquiète pour toi, s'il te plaît, fais attention. Je le serai. D'accord? Non, si, arrête ta jalousie, ça ne te va pas du tout. Je ne suis pas jalouse. Tu l'es. En passant, que vas-tu dire à Tiff quand il va arriver ici? Tu sais qu'il n'aime pas la foule.
Et nous savons toutes les deux pourquoi. Eh bien, c'est mon anniversaire. Et Chief comprendra, ok, je lui dirai que je voulais avoir mes amis près de moi. Je t'en prie, détends ton esprit. Tu parles trop, tu es trop jalouse. Je ne suis pas jalouse, le serais-je pour quelqu'un comme elle? Tu ne peux pas me faire sortir avec cette fille tout le temps. C'est parce que c'est ton anniversaire, hein? C'est un avertissement. Ok, je te l'ai dit. Oh, regardez mon chéri. Mon amour. Oh, mon sucre adoré. Oh, approche. Tu sens si bon et tu es si frais. Regarde-toi. Oh, Chief, désolé, mes amis. Oh, tu connais déjà celle-ci, Alicia. Plaisir de vous rencontrer, monsieur. Allez, Chief, tu vas tellement manquer. Allons, je m'occupe de toi. Ok, les filles, vous pouvez aller à la cuisine. Il faut le mettre à l'aise quand vous voulez. Nous, on va aller s'occuper. Mon chéri. Allons-y. Les filles, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, ma chérie, ouais, tu peux encore le dire. Tu es si vilain. Ouais. Va-t'en. C'est quoi le nom de ta copine? Nancy. Non, l'autre. Oh, Alicia. Oui, Alicia. Tu sais, Rufus l'apprécierait vraiment. Pourquoi? Rufus, c'est mon ami, alors je connais ses goûts, je connais le genre de fille qu'il aime. Comment sais-tu ça, Chief? Comme je te le disais, c'est mon ami. Rufus, c'est mon ami. J'aimerais juste voir, tu sais, comment je pourrais les connecter. Ah. Pourquoi est-ce que tu parles ainsi? Tu es fâché? Non. Parce qu'à un moment, tu me donnes l'impression de ne pas... de ne pas être contente, comme d'habitude. Chief, tout va bien. Tu ne veux pas me donner son Chief. Numéro? J'ai jamais dit ça, je t'enverrai son numéro, c'est bon. J'espère que tu n'es pas fâchée. Non, tout va bien. Parce que tu donnes l'impression de ne pas être Chief, contente. Tout va bien. D'accord, c'est bon alors. Alors tu peux aller te vêtir pour qu'on commence à s'amuser. Bien sûr. Vilain garçon. Allô? Allô, ma belle. Sais-tu à qui tu parles? Non, qui est-ce? C'est Chef Earl. Ah, bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Bon après-midi, comment vas-tu? Oui, Alicia, j'espère que tu n'es pas trop occupée. Parce que j'aimerais te rencontrer. Non. Occupée à faire quoi? Je suis libre. Bien, j'aimerais planifier une fête surprise pour Yvonne. Et j'aimerais que tu te joignes à moi pour qu'on la planifie ensemble. Oh, ok. Ce sera superbe. Tu sais, c'est une fête surprise et j'aimerais que ce soit en secret. Donc, j'aimerais pas que tu le dises à Yvonne. Moi, ma bouche est scellée. Je ne dirai rien du tout. Même pas un mot ne sortira de ma bouche. Alors, j'aimerais qu'on se voit le plus tôt possible pour pouvoir planifier ensemble. Ok, s'il vous plaît, où devrais-je venir? Ok, je te fais savoir. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, comment vas-tu? Très bien, merci, monsieur. Bienvenue dans ma maison. Merci. Rassieds-toi. Oh, c'est bon de t'avoir ici. Oui, monsieur. À propos de la fête d'Yvonne, je pensais que un planificateur d'événements pourrait... Oui, Alicia, je t'ai invité ici pour d'autres raisons. Ce n'est pas à propos de la fête surprise d'anniversaire d'Yvonne. Oh, ok. Tu sais, tu es une très jolie fille et depuis le jour que je t'ai vue, je n'arrive pas à te sortir de la tête. Excusez-moi. Écoute, c'est au-delà de... C'est pas juste par rapport à l'événement.
J'ai des sentiments pour toi. Je pensais que tu m'avais invité ici pour planifier la fête d'Yvonne. Yvonne est mon amie. Yvonne ne m'appartient pas. Je décide de me mettre avec qui je veux me mettre alors. Ça ne m'empêche pas de me mettre en relation avec toi. D'accord? J'ai deux épouses. Quoi? Ma chérie, laisse-moi te dire. Tout ce que tu vois Yvonne avoir aujourd'hui, c'est à cause de moi. C'est moi qui l'ai lui offert. Et je peux aussi le faire pour toi. N'importe quoi. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as vraiment pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu es très jolie. Tu me comprends. Tu sais, tu es vraiment une très jolie femme. Et je suis pris, tu me comprends. Blessing. Qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas là une clé de voiture? Et où as-tu eu cette voiture? Maman, ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Vas-tu fermer ta sale bouche? Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Commence à parler. Comment as-tu eu cette voiture? Qui te l'a achetée? Tu connais ton problème? Tu ne valorises pas la substance que tu as dans cette maison. Tu ne la valorises pas. Mais si tu connais la valeur que ta fille a là dehors, tu ne me parleras pas comme ça. Ça, c'est la vérité. Alors toi, Hakuna, Hakuna, tu peux t'acheter une voiture? Comment? Hein? Je n'ai pas besoin de me placer là, écouter ça. Je suis pressée, je dois aller quelque part. Au lieu que toi, tu commences à célébrer parce que ta fille se fait de l'argent. T'es là à me saouler de malédiction. Ah, Nawao. Qu'à Dieu ne plaise, maman, je te l'ai dit. Moi, oui. Te célébrer toi? Je préférerais mourir pauvre que de partager ta richesse répugnante. Hey! Ah, Seigneur, peu importe qui a fait ça, ma fille, que cette personne n'ait jamais la paix. Jamais. Est-il passé avec cette voiture? Nancy? Nancy? As-tu envoyé le chauffeur quelque part avec ma voiture? Non, je ne l'ai pas fait, pas du tout. Ma voiture n'est pas dehors. Que veux-tu dire par là? Exactement ce que tu as entendu. Ma voiture n'est pas dehors. Et les filles? Hé, hey, chérie. Quoi de neuf? Alicia? Hein? Est-ce là la clé de ma voiture? Oh oui, oui, oui. J'en avais besoin, je suis allée chercher quelque chose à la maison. Très rapidement. Tu... Non, non, attends. Tu as fait quoi? Tu es sortie avec ma voiture? Ouais, je suis juste allée pour une sortie rapide, prendre quelque chose chez moi. Et d'où te sort cette audace? Blessing, tu as pris ma voiture sans ma permission? Est-ce que cela a un sens? Tu dormais, j'ai pas trouvé l'importance de te réveiller. Alors tu n'aurais pas dû y toucher? Écoute-moi. Ah. N'ose plus jamais répéter cela. Excusez-moi. Alicia, superbe. Qu'est-ce que tu racontes? Nawao, la voiture, à cause de la voiture. Petite voiture. Si je m'énerve, j'achète deux. C'est quoi ce genre de honte? Que ce soit la toute dernière fois! Quand un truc de ce genre arrive, quand je suis détendue, je dois toujours savoir ce qui se passe dans ma concession, ok? Oui, madame. Ne vous mettez pas en colère. N'importe quoi.
Ma chérie, cette fille ne connaît pas ses limites du tout. Tu ferais mieux de la mettre à sa place avant qu'elle ne fasse pire. Ah, j'espère qu'elle n'a pas bousillé la voiture. Yvonne! Ça donne vraiment envie d'être avec toi. Chef, chef. Ouais. Si tu continues comme ça, ce n'est pas seulement une voiture que t'auras de moi. Attends, Chief. Chief, ne joue pas avec moi comme bien ça. Bien sûr que je suis vrai dans tout ce que je dis. Tu m'achèteras une voiture? Ça me coûte quoi de t'amener chez un concesseur? Tu prendras ce que tu voudras. Oh, c'est ce Dieu, que je fais. Chief, moi une voiture? Je peux faire tout pour toi. Je peux tout te donner. Oh oui, c'est juste le commencement. Ne veux-tu pas une maison? Une maison à toi toute seule? Alicia. C'est juste, hein? C'est juste le commencement, ok? Ah, Chief, merci. Ah, salut, Chief. Ah, je vais bien. Toi, comment tu vas? Ah, eh bien, tu me manques aussi. Ah, quand reviens-tu? J'espère que tu n'as pas oublié mon cadeau. Je sais que tu ne l'as pas oublié. Je te fais confiance. Ah, Chief, pas de problème. On se parle plus tard. D'accord, bye. Salut les filles. Salut. Salut. J'espère que t'as pas coupé ton appel d'amour à cause de nous. Oh non, pas du tout. Chief et moi on parle depuis 30 minutes. Donc ça va, cet homme est amoureux de moi. Je suis ravie que tu aies. Tu t'amuses vraiment. Merci, vous savez qu'il va m'acheter une voiture. Quoi? Je t'assure. C'est ainsi que ça se passe. Allez, top 5. Rufus est sur le point de t'acheter une voiture après 2 minutes de rencontre. J'ai dit qu'il m'aimait. Il est amoureux de moi. Ah, vraiment? Non, si. Vas-tu arrêter? Quoi? Arrête. Je veux être heureuse pour elle, réellement. Mais évidemment, tu sais que c'est des bêtises. Le monsieur est en train de se foutre d'elle. Elle est si bête pour le voir. Hé, hey, excusez-moi. Désolée, l'ai-je dit à haute voix? Chérie, je suis inquiète pour toi. Évidemment. Rufus peut être très très terrible. Eh bien, chérie, je ne veux pas que tu sois inquiète pour moi. Parce que je sais comment faire pour que mon homme tienne à sa promesse. Non, Alicia, reviens. Pardon. Non, mais tu vois, tu viens de la provoquer. Arrête ça. Alicia, elle est juste jalouse, ok? Jamais. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non, dis-lui que tu es simplement heureuse pour elle. Ça, exactement ça. Je lui dirai ça. Quand je verrai la voiture. Sérieusement? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu crois en ce qu'elle dit là? J'ai dit que j'allais acheter ça. C'est ma nouvelle voiture. Cette voiture est à toi? Ça, c'est ma nouvelle voiture. Tu dis quoi? Je veux dire, ça, c'est ma nouvelle voiture. Cette voiture est à toi? Oui. Oh, je n'arrive pas à y croire. Je t'avais dit que je devais acheter une voiture. Blessé. Oui, tu peux. Cette oui, tu voiture peux, est vas-y. À toi? C'est moi qui Blessé, ai cette voiture. Tu n'as acheté qu'une voiture. On va fêter ça. Pardon, vas-y doucement, ne me bousille pas la voiture. Je n'arrive toujours pas à croire que Rufus lui a acheté cette voiture. Ça n'a pas de sens. Parce que le Rufus que je connais ne peut pas le faire. Cet homme est tellement radin, il n'a pas acheté une voiture à sa femme. C'est à sa copine qu'il va acheter une voiture, ça n'a pas de sens. Ago, du calme, tu connais les hommes, ils font des choses folles pour leur petite... Tu sais ce qui me fait mal? C'est le fait que je sois certaine que ce n'est pas Rufus qui change la vie de cette fille. Et si ce n'est pas Rufus, c'est qui? Eh bien, peut-être qu'elle a plus d'un homme. Et nous en avons toutes. Alors, s'il te plaît, me laisse tomber. Tu es si adorable. Ta naïveté est si sucrée. Ago,
Arrête ça. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Il a commencé à lui acheter des choses au moment où Aaron a pris son numéro. N'y va pas. Je ne vais nulle part. C'était très évident qu'il y avait quelque chose qui se passait avec ta nouvelle meilleure amie, donc... Non, si. Calme-toi, arrête. Tu pourrais avoir tort. Tu n'as aucune preuve. J'ai un pressentiment. Et tu me connais. Je n'ai jamais tort à propos de ça. Elle ne lui parle pas quand nous sommes là, ils ne prennent pas de photos ensemble. Elle ne le poste pas et tu connais Blessing. La Blessing que tu connais aime le boucan. Si c'était Rufus, elle nous le flanquerait au visage. Elle nous perturberait. Elle exposerait tous les dîners de luxe. Et ses tournées de shopping. Pardon, je ne crois pas en cette fille. Ah. Comme je l'ai dit, tu ne peux rien conclure. Ce que tu as, c'est de l'imagination. Je sais. C'est pourquoi tu dois obtenir des preuves. Et tu vas les avoir. Allô? Salut, monsieur. C'est moi, Yvonne. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Monsieur, j'espère que je ne vous dérange pas. D'accord, monsieur. Monsieur, je voulais changer mon roi. Tu sais, celui que Tifa a acheté, il devient terrible. Alors, il m'a été dit que vous avez acheté une nouvelle voiture récemment. Tu ne l'as pas fait? Non, monsieur, mais j'ai entendu. Oh, monsieur, je suis vraiment désolée. C'est bon, je suis vraiment désolée. Oui, monsieur, j'ai eu la mauvaise information, oui. Vraiment désolée, monsieur. Merci. Bye. Alicia, je te regarde. Un jeu, c'est ainsi qu'on le joue. Surveille tes arrières. Elle est en train de garer. La poignardeuse dans le dos est de retour. Hey les filles! Ah, j'ai découvert ce nouveau restaurant, c'est si classe! Je veux qu'on aille dîner là-bas ce soir. Que se passe-t-il? Pourquoi vos visages sont comme ça? Quelqu'un est mort? Oui, ta loyauté. Pardon bébé, que se passe-t-il? Tu vas bien, que se passe-t-il? Ton visage? T'es pas comme d'habitude. Moi-même? Alors, c'est qui tu es vraiment? Dites-moi ce qui se passe, non? Je suis confuse. Vous me faites peur. Oh, s'il te plaît, arrête de faire semblant, nous savons. À propos de toi et Chief Aaron. Qu'est-ce que... Mais quoi, hein? Tu veux mentir? Hein? Alicia. À propos de... Je sais à quoi m'en tenir maintenant. Espèce de menteuse. Ok, arrête de m'insulter, d'accord?
Tu ne vas juste pas croire à propos de tout ce qu'on te dira à propos de moi. Personne ne me nourrit avec quoi que ce soit. Mais apparemment, c'est impressionnant que tu aies une voiture. Oh, c'est pourquoi t'es énervée. Attends, t'es jalouse de ma voiture? Ta voiture? Oui. Waouh! La voiture que mon homme t'a achetée? La même voiture que Errance t'a achetée? Oh chérie, je sais. Je suis au courant de tout parce que j'ai parlé à l'un de ces gars. Rufus inclus, et imagine quoi. Il a dit qu'il ne t'a rien acheté. Je ne suis même pas sûre que cet homme sait qui elle est, n'est-ce pas? J'ai parlé avec lui il y a quelques jours. Regarde-toi. Une fille qui n'avait l'air de rien pour qui j'ai tout fait. C'est ainsi que tu veux me remercier? Yvonne, détends-toi. Je peux m'expliquer. Expliquer quoi? Expliquer quoi, espèce de pute? Tu devrais avoir honte. Pourquoi parles-tu encore? Pourquoi tu ouvres la bouche? Écoute. Je comprends. Regarde-toi. Blessing, regarde-toi maintenant. Une fille que j'ai ramassée dans la rue, dans un caniveau. Hein? Toi, cette fausse, prétentieuse. Hein? Tu veux jouer à ça? Arrête, avec moi? Écoute. Ok. Je te comprends, t'es énervée. Mais pourquoi t'es énervée? C'est ton mari? Non, est-ce que c'est ton mari? Quelqu'un qui a deux femmes et beaucoup de concubines. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as entendu, t'es pas sourde. Qu'est-ce que tu dis? T'as déjà assez mangé. Permets à une autre personne de manger. Tu perds la tête? Blessing, tu perds la tête? Est-ce à moi que tu parles ainsi? Laisse-moi rappeler à cette fille ce qui se passe. Rappelle-moi. Tu existes à cause de moi. Waouh. Je t'ai nettoyée. Je t'ai créée. Alors laisse-moi te dire. Waouh. Au nom de Dieu, ça me ferait tellement plaisir de te détruire. Repose-toi. Repose-toi. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Écoutez-moi. Même si vous venez à deux, vous ne pourrez rien faire. Es-tu mon Dieu? Tu peux détruire qui? Moi? T'as jamais vu? T'as jamais rincé les yeux? Vas-tu la fermer? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu roules la bouche comme l'ingrate que tu es. Qu'est-ce qui t'arrive? La ferme. Regardez-moi celle-là. Les adultes parlent. Tu viens t'y joindre? Hey. Qui t'a invité dans ce film? Tu peux me parler? Je t'avais averti à propos de cette sauvage, cette t'es fille malade. Vous n'allez rien sur son faire. Visage, traître. Arracheuse, bavardez juste dans le dos. Vous bavardez juste. Venez même à 10. Personne ne pourra me toucher. Ah, s'il s'ajoute à vous deux. Encore, s'il s'ajoute à vous deux, vous ne pourrez rien faire. Dégage du passage. Blessing. Suivez tes arrières. Suivez tes arrières. Je te démontrerai que cette rue dans laquelle nous sommes, je suis ta maman. Dégage de la route que je passe. Dégage. Oubliez tout ce que vous portez là. Je suis attention. De la rue, pleinement fais de attention. La rue. Fais attention. Et elles sont ici à me ferme menacer. Ferme ta bouche, si tu es belle, enlève ta perruque. Je vais en découdre avec cette fille. N'ai-je pas parlé? Ne t'avais-je pas averti? C'est écrit sur son front. Traître, c'est toi qui n'as pas vu. Du calme, cette affaire, je la gère. Imagine quoi? Je montrerai à cet enfant que dans la rue, c'est moi qui suis sa maman. Agu, calme-toi. N'est-ce pas ses blessés? Je la détruirai. Chief, je ne peux plus rester dans cette maison. Hein? J'ai besoin de ma maison. D'accord, je vais y réfléchir. Ah, Chief, c'est ce que tu as dit il y a 2 jours. Ok, je viens toujours dans cette maison te voir. Et si tu veux me voir, tu viendras chez mes parents. Est-ce que c'est ce que tu veux? Absolument pas. Ce n'est pas comme ça que je veux ça. Mais crois-moi, je t'ai entendu. J'y réfléchirai. Chief, es-tu sûr? Parce que tu as dit ça avant et tu n'as rien fait à propos. Ok, je t'ai entendu. Est-ce que t'as compris? Je t'ai compris, j'ai entendu. Mais non, Chief. C'est vraiment très urgent. Tu sais quoi? Je vais te donner le numéro de mon agent immobilier, son numéro. Appelle-le, je peux te rassurer que tu auras ta maison. Ah, bien sûr. C'est de cette assurance dont j'ai besoin. Ouais, mon gars.
Je veux une maison dans la même rue que celle d'Yvonne. Hein? Et tu sais quoi? Tu vois cette maison à côté de celle d'Yvonne? C'est très grande maison. C'est ça que je veux. Alerte à tout le monde que j'ai de l'argent tif à payer. Hein? Ok, pas de problème, mais ça doit être dans cette même rue. Une grande maison. Une maison qui crie la ferme Yvonne. Mm-hmm. Écoute, je te fais confiance avec ce job. Ok, d'accord, pas de problème. J'attends, hein? Ok, merci. D'accord. Bye bye. Juste quand tu penses que tu es la plus grande fille de cette ville, je vais te couper les vivres, Yvonne. Tu n'as encore rien vu. Parce que tu me vois, moi, Blessing. Ah, non. Alicia. Alicia. Alicia arrive. Tu n'as encore rien vu. Elles ne m'ont pas vu arriver. Elles ne m'ont pas vu arriver. Elles ne m'ont pas vu. Où sommes-nous? C'est la maison de qui? Je ne te comprends pas. Chez qui est-ce que tu venais? Ça, c'est pour moi. Tu n'es pas sérieuse? Ah ah! Blessing, c'est vraiment puissant! Comment as-tu obtenu tout ça? Partage avec ta sœur tes secrets, non? Regarde celle-ci. Tu veux arriver en ville? Tchè! Je suis vraiment contente pour toi. En un laps de temps, tu t'es transformée juste comme ça. Ah, c'est comme un rêve. C'est de ça que les rêves sont faits. Assieds-toi. Ok. Pardon, assieds-toi. Tu n'as jamais vu de chaise. Maintenant que tu sais, hein, que tu peux quitter ta vie de misérable. Toi, qu'est-ce que tu veux y faire? Comment veux-tu le faire? Quel plan! Donc j'ai des plans. Je vais être comme toi, Alicia, qu'y a-t-il? Apprends-moi à devenir comme toi. Hein? Montre-moi le chemin. Hey, ok. Tu vois ce ton sur lequel tu parles, tu cries. Tu dois la baisser, hein? Tu dois être classe. D'accord? Et puis une autre chose, cet endroit de pauvreté où tu travailles, là dans la rue, tu devras le quitter. Et alors, ce look, tu devras t'en débarrasser. De la robe, je ne sais même pas si c'est la robe, ce que tu portes là. Ok, ok. Tu sais, tu auras besoin de... Dior, Gucci. Oui. Prada, Fendi. Louis Vuitton. Ma chérie. Ouais, c'est ça. On te fera du shopping. Tu n'es pas belle. T'as besoin de retouches. Hey! Salut. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Je suis vraiment désolée d'avoir appelé pour te dire que j'arrivais. J'étais tellement occupée. Mais je suis là maintenant et j'aimerais avoir la boutique pour moi seule. Cela ne sera pas possible. Ma plus grande cliente est là et elle n'aimerait pas faire les boutiques si vous êtes là. Pardon? Désolée, je sais qu'il y a un peu de différence cette fois, mais mes mains sont liées. Elle a déjà loué cette boutique et elle a donné ses ordres. Vous savez quoi? Peut-être vous devez attendre dans votre voiture. Quand elle aura terminé, je vous appellerai, oui. Je pense que c'est une bonne idée. Quelle plus grande cliente tu as que... J'ai viré 500 000 dans ton compte, n'est-ce pas? Alors, c'est de cette personne dont vous parlez? Je pensais que j'avais la boutique à moi. Elles étaient sur le point de s'en aller. Est-ce ça le mieux que tu peux faire? Copier mes habitudes? Chérie, si c'était tes anciennes habitudes, pourquoi ça t'énerve autant? Allons-y, elle ne le mérite pas. Exactement. Dégagez. Parce que la nouvelle reine est dans la place. La reine de quoi exactement? Hmm? Derrière ces vêtements, cher, c'est du vide. Tu n'es qu'une petite fille de ta classe. Et derrière tous ces lourds make-up, c'est une fille dépressive avec aucune estime de soi et les problèmes de père.
Espèce de chiffon. As-tu pleuré quand Chief Aaron t'a quitté? Si tu l'as fait, Ekpeleo. Dégage de cette boutique. Tu n'es qu'une sale fille. Dégage de cette boutique. Pars dans la ferme, espèce de suiveuse. Tu n'es qu'une sale fille. Voilà le chemin, pardon. N'importe quoi. Et toi, t'as perdu ta plus grande cliente. En faveur de cette chose, on a compris, suiveuse. Au revoir à mes chéris. Regardez ces rats. S'il vous plaît, tous mes articles sont sur la table. D'accord. Je vais ajouter un truc sur ce que je t'ai envoyé, d'accord? Non, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Une bâtarde. Essaie de te calmer, je t'en prie. Essaie de te calmer. Tu aurais dû me laisser la mettre à sa place. Tu veux dire te battre publiquement? Oui. Ce serait pour quelle raison? Chérie, elle ne le mérite pas. Et tu connais quelqu'un comme Blessing, elle n'a pas honte, elle va l'enregistrer et le poster en ligne. Tu sais, je la briserai en mille morceaux. Je lui donne encore un peu d'aile pour voler. Ça va. Tu peux me dire que tu m'as averti. Je le mérite. Pas besoin de ça. Alors cet insecte pense qu'elle est notre égale. Tu sais quoi? Je ferai de ma vie une mission pour la ruiner. Allez, oui, Ivan. Nancy, c'est la guerre. Et tu me connais. Tu me connais très bien. Je ne laisse rien passer. Observe. Alors tu veux descendre à son niveau? C'est ce que tu me dis? Non, si. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Je sais que tu te soucies non, de moi. Non, je ne m'inquiète pas. Laisse-moi t'éduquer. T'es en train de vouloir t'enrouler dans la boue avec un porc, alors sois prête, parce que ça va être très sale. Ne laisse pas cette fille approcher ta peau. Elle ne le mérite pas. Ok? Alors, laisse le chien sans dents mâcher sa viande. L'attaque, elle lui donnerait plus de toupet, tu sais comme elle est maître le centre d'attention. Laisse passer. Laisse passer, Yvonne. Oui? Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Je cherche ma sœur, Kamsi. Kam quoi? Kamsi. Ah, je n'ai jamais entendu un tel nom de ma vie depuis. Peut-être que tu as cogné à la mauvaise porte. Appelle la personne pour qu'elle te dirige. Non. Ça, c'est l'adresse, je suis au bon endroit. Tu es sûr? Mm-hmm. Ah, vraiment. Ok. Connais-tu quelqu'un qu'on appelle Ivan? Voilà ce qu'il fallait dire. C'est ma patronne, attends, je vais l'appeler. Oui. Allô, madame. Il y a une personne ici qui dit qu'elle est votre sœur. Elle s'appelle Tissom. Qu'est-ce qui arrive à Tissom? Avant d'arriver ici, elle aurait dû m'appeler. Oh, désolée, allô? Oui, laisse-la entrer. Ok, madame, d'accord. D'accord, madame. Je Allez, dois entre. Entrer? Oui, entre. Sœur Camille, Camille. Camille. Ah, désolée, sœur Yvonne. Peux-tu mettre ce truc au sol? Grande sœur. Hey.
Grande sœur. Hey, grande sœur, tu m'as manqué. Ah. Hey. N'es-tu pas censée être à l'école? Grande sœur, nous sommes en congé, alors je me suis dit pourquoi pas venir rendre visite à ma grande sœur. Pourquoi n'es-tu pas allée voir maman et papa? Je suis sûre qu'ils ont besoin de toi à la maison. Ah. Grande sœur, pourquoi ai-je l'impression de ne pas être la bienvenue? Allez, bien sûr, tu es la bienvenue chez moi. Ah, ah. Puis-je m'asseoir? Prends place. Chisom. Hein? S'il te plaît. Prochainement, j'aimerais que tu y appelles avant de débarquer chez moi, ok? Hey. Grande sœur, j'ai compris. J'ai compris. Hey, grande sœur. Attends. Tu vis ici toute seule? Non. Je vis là avec mes amis. Hey! Chineke. Ah ah! Hey! Grande sœur, est-ce que tu sais que nos voisins à Abba ne vont pas croire s'ils posent leurs pieds dans cette maison et voient le genre d'endroit où ma grande sœur vit? Ah ah! Hey! Je me demandais toujours pourquoi ma grande sœur ne voulait pas que je vienne. Je pensais que c'était une petite maison juste comme ça. Alors cet endroit est comme ça? Eh bien, disons que je suis la reine du castel. Hey. Bien, je te fais faire le tour du chef. Rassure-toi de ne rien casser. Surtout ne casse rien. Hey, pardon, laisse-moi porter mon sac. Cet endroit est vraiment... Tellement belle. Toute cette beauté juste pour toi seule. Merci, Titi. Je dois aller quelque part très rapidement. Ok, je fais le petit déjeuner. Ne vas-tu pas manger avant de partir? C'est bon, je vais manger où je suis en train d'aller. J'espère que tu profites de Lagos. Ah, Auntie, je profite de mon séjour dans ce Lagos. Sais-tu que je m'en vais au restaurant, au musée, au cinéma? Je n'irai nulle part, je ne rentrerai plus. Je suis dans ce Lagos. Ne fais pas en sorte que ta grande sœur l'entende. Elle va devenir folle si elle entendait. Laisse-moi partir. Prends soin de toi. Bye. Bye bye. Prends soin de toi. Ouais. D'accord, pas de problème. Oh mon Tif Tif. Ne t'inquiète pas. D'accord. Je viens de finir de parler avec Tiff. Il a besoin de genre 4 filles à cette fête. Une autre fête. Attends, pourquoi est-ce que tu cries? Ah, c'est comme ça que ces gars fonctionnent. Ils aiment faire la fête, ils travaillent dur et s'amusent dur. Ok? C'est une fête exclusive, on va se faire 2 millions de naira. J'en ai besoin. Une grande fille, cette fille. Mais normalement, tu as quelqu'un? Pardon, attends, pourquoi je te demande? Regarde à qui je demande. Je n'ai pas besoin de ces filles de basse classe. Vas-tu aider? Pardon, je ne connais personne. Avant ça, connaissais-tu quelqu'un? Qui vais-je me m'appeler? Grande sœur. Salut, tu es debout? Bonjour. Bonjour. Es-tu arrivée la nuit dernière ou ce matin? Oh, la nuit dernière, tu dormais déjà. Ça devait être vraiment tard parce que j'étais debout jusqu'à 23h. Chisom, tu n'as pas à rester éveillée pour moi, ok? Écoute, je travaille très tard et tu sais, j'en ai l'habitude, alors dis-moi. Quand reprends-tu l'école? Oh, est-ce que tu me chasses? Oh, allez, non, pourquoi le ferais-je? Je donne de l'intérêt à ce qui te concerne, ok? Et en plus, depuis que tu es arrivée, on n'a pas eu le temps de se rattraper. Ça, c'est parce que tu as été tellement occupée. Ah, ok, je suis désolée. Je suis libre maintenant, alors... Combien de temps restes-tu? Eh bien, l'école reprend dans 2 semaines.
2 semaines? Ouais. Ok. Grande sœur, je ne sais pas, je réfléchissais. Je pourrais m'avoir un job. Tu sais, me faire un peu d'argent avant de repartir à l'école. Alors, quel genre de boulot as-tu l'intention de faire en 2 semaines? Je ne sais pas. Tu vas peut-être m'aider à penser à quelque chose. Chisom, tu ne déranges pas. Je te soutiendrai quand tu seras prête à retourner à l'école. Tu sais, tu es ma sœur et je te tiens à cœur. Merci beaucoup, grande sœur. Merci. Alors, raconte. Merci. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Tu es sûre que tu vas à l'école? Si je vois quelqu'un tourner autour de toi, je couperai le cou de cette personne. Tu n'en auras pas besoin. Une grande fille, bien sûr. Ton visage me paraît nouveau. Pardon? Je veux dire, je t'ai jamais vu ici. Tu viens d'arriver dans les parages. Oh. Eh bien, je suis en congé scolaire, je suis venue rendre visite à ma grande sœur. Oh, ok. T'as une belle peau. Tu brilles. Vraiment? Oui. Merci. Quelle crème tu utilises? Tu peux partager ton secret. Eh bien, je n'utilise pas grand-chose. Juste des trucs simples. Oh, vraiment? Je suis jalouse. C'est toi la chanceuse. Arrêtez de me flatter, s'il vous plaît. Salut, je suis Alicia. Chisom. Ravie de te rencontrer. Pareil pour moi. Tu sais, tu peux me donner ton numéro? Je pourrais te faire découvrir la ville. Ok, pourquoi pas? Après tout, je n'ai pas d'amis. N'importe quoi, tu m'as moi maintenant. C'est ça. D'accord. T'as dit que ton nom c'est quoi? Chisom. Chichi. D'accord. C'est un plaisir. Pareil chez moi. Une très belle fille. Chissa, nous sortons. Ok. Grande sœur, pourquoi je ne viens pas avec vous? Tu sais que je déteste rester seule quand vous sortez. Eh bien, petite sœur, tu dois apprendre à faire avec, ok? Rassure-toi de fermer les portes et ne laisse surtout entrer personne. Me suis-je fait comprendre? Prends soin de toi. Bye bye. Ma chérie Titi. Et voilà. Merci. Je t'en prie. Ah. Alors, t'es d'accord? Oui, je le suis. Ah, es-tu sûre? Ta tante te laissera faire n'importe quoi? Allez, c'est ma grande sœur. Je ne lui appartiens pas. Je peux faire ce que je veux, donc donne-moi l'heure et je serai là. Je veux dire, c'est l'énergie dont j'ai besoin. Hein? Mais en es-tu sûre? Oui, je le suis. Ok, bien. Trinquons à ça. Nous allons vraiment bien nous amuser. Je suis impatiente. Ça, c'est ma vie. Hola,
time we make it tight. Put something we go tight. Treat them right, make it right. Let them know say you bad. Give us go we go hard. Let them know say you ras. And one more dry go. My job will look guru. Come on, roll our money guru. Come on, look bad, don't make guru. I want to go. Bolugu, I want more bolugu, I want funny bolugu. If you hold your baby well, hold them tight. Be better than she does. Titi, t'es en feu ce soir. Je me suis dit, qui est cette fille? Je ne savais pas que t'avais autant de feu en toi. Oh mon Dieu, et tu sais, tout le monde peut regarder que toi. Oh, s'il te plaît, ne me flatte pas. T'as tout tué, ma chérie. J'ai tes détails, n'est-ce pas? Ouais. Je vais juste t'envoyer un tout petit truc, juste comme ça. Envoyé. Je viens de t'envoyer 100 000. Es-tu sérieuse? T'es un mensonge. C'est vrai. Waouh! Juste comme ça? Écoute, je suis disponible tous les jours à n'importe quelle heure. Appelle-moi et je serai là. Ma pote. Titi le feu. Oh mon Dieu, ride-le encore. Titi le feu. Ok, ma chérie, prends soin de toi, ok? D'accord, toi également. D'accord, Titi le feu. Hey! Ça s'est passé. Hey! Juste une nuit, et tu te fais tout d'un 100 000 naira. Hey! Hey! C'est terrible! Quoi? Est-ce que je rêve? Entrez. Bonjour. Bonjour. Je ne savais pas que tu étais là. Quand es-tu arrivée? Comment tu vas? Rien du tout. Juste... As-tu dormi à la maison la nuit dernière? Bien sûr que oui. Pourquoi? Est-ce que tu me cherchais? Oui. Pendant un bref moment, je l'ai fait. Ouais, je dormais. Tu me voulais pour quelque chose? J'ai entendu quelqu'un ouvrir la porte. Alors je me suis dit que c'était Nancy. Et j'ai essayé de t'appeler, mais tu ne prenais pas tes appels. Mon numéro? Oui. Tu m'as appelé? J'étais... C'est parce que j'étais profondément endormie. J'étais si fatiguée la nuit dernière. Viens là. Chisom. Nous sommes à Lagos. Tu dois faire très attention de quand tu sors et quand tu rentres. Ok? Eh oui, je sortirai cette nuit. Oh oui, je rentrerai plus tôt, peut-être demain. Ok. Alors je t'en prie, surtout ne m'attends pas, ok? Ok. Ok. Je t'enverrai un peu d'argent pour que tu puisses te prendre tout ce dont tu auras besoin. Merci, grande sœur. Je t'aime. Je t'aime aussi. Merci. Comporte-toi bien. Je le ferai. D'accord. D'accord. Prends soin de toi. Moi. Oh. À moins un. Oh, wow. Ok. Mes 100 000, j'achète une péruvienne. Oui. Alors, un sac Chanel. Oui. Ma grande sœur Anna, je pense que j'aime ça. Quoi d'autre? Tu vois cette fille qu'on appelle Chioma. Ah, je vais lui montrer le chéqué. Comme tout le temps, elle porte son corps. Grande fille. Elle ne sait même pas ce qui arrive maintenant. N'importe quoi. Thank you.
Yvonne, n'est-ce pas Tissom? Mais c'est Tissom. Tu fais ici? Qui t'a invité? Tissom, t'es sourde? Qui t'a invité? Mon amie Alicia. Aliku. Alicia? As-tu une photo avec elle? Montre-moi sa photo! Oh bon Dieu, c'est Blessing! Désolée. Qu'est-ce que tu dis? Tissom, tu dis quoi? Que tu es désolée? Ça ne va pas dans ta tête? Quelque chose ne va pas là, Tissom? Non, non, laisse-moi m'occuper d'elle. Hein? Non, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais avec cette fille dégoûtante de Blessing? Quoi? Alicia? Regardez-la, tu me poses des questions? Blessing ou Alicia, qu'est-ce que tu faisais à cette fête? Je sortais juste avec mes amis. Hein? Tu parles d'amis? Tissom, ai-je bien compris? Tu as parlé d'amis? De toutes les filles qu'il y a, les gosses. Ce n'est qu'Alicia Blessing avec laquelle tu as frayé des liens. Et le plus pire dans tout ça est que tu nous as menti. Tissom. Hey! Ok. Désolée. Je suis désolée. Je savais que vous n'alliez pas me laisser partir à la fête. Et alors t'as menti? T'as menti, Tissom. Ta sœur essaie de te protéger, tu sais à quel point Lagos est dangereux. Comment peux-tu nous faire croire que tu dors et puis tu sors et tu es une voleuse? Qui fait ça? Ça n'a aucun sens. Je suis désolée. Grande sœur, excuse-moi, ça ne va plus arriver. Ferme ta bouche! Tissom, ferme-la, je te jure, hein? Je mange la terre, hein? Si jamais je te revois traîner autour de cette fille, ce que je te ferai... Tissom. Ah, je parle, oh, hélas, s'il te plaît, dégage, calme-toi, dégage. Animal, regardez-moi ça. Regarde-moi cette petite fille. À voir Alicia comme amie. Ah, Blessing. Blessing, essaie de créer la zizanie entre ma sœur et moi. Ok, je te parle de ma sœur, ma prunelle, mon sang, ma petite sœur. Je me chargerai d'elle. Aïe, non, non, elle ne peut pas me faire ça. Hey, Alicia a dû se rendre compte qu'elle était ma petite sœur. Ça ne peut pas être une coïncidence. Cette fille cherche les problèmes. Elle te connaît pas. Elle te connaît même pas du tout. Le beau visage les trompe, elle ne te connaît pas, elle veut te tester. Hein? Ok. Elle a mâché puisqu'elle ne peut avaler. Je ne laisserai pas ceci passer. Non, si. Je lui enseignerai une leçon qu'elle n'oubliera jamais de sa vie. Je le jure. Qu'est-ce que tu planifies? Oh mon cas. Oh kama kouzo. Thank you.
Salut. Grande sœur. Je pense que je veux rentrer à Abba. Tu veux rentrer à la maison? D'accord. C'est comme tu veux. Je te donnerai un peu d'argent pour que tu y ailles demain. Ok. Je suis désolée pour la fête. Je t'ai pardonné. Merci. Tipe dehors. Super. On est ensemble. Êtes-vous prêtes à vous amuser, les filles? Ouais. Bien ouais. Sûr. Maintenant, je vais chercher les gars. Ne vous sentez pas seule. Je reviens. D'accord. D'accord, ma puce. Hey, salut, hey. Salut. Je vis bien. J'ai cru que t'as dit que tu sortais. Pas aujourd'hui. Quelque chose d'étrange est arrivé quand j'entrais. Quoi? Le gardien, il a dit qu'il a vu Chisholm dans les parages. Ce n'est pas possible. Chisholm est retourné à bas. Ça, c'est exactement ce que je lui ai dit, mais il m'a dit qu'il sait ce qu'il a vu et il a vu Chisholm. As-tu appelé tes parents? Non, tu sais que je n'aime pas leur parler. Ils vont se mettre à me parler de mariage et tout ça. Oui, j'ai parlé à Chisholm quand elle est arrivée à l'agence. Ok. Si tu crois en elle, alors. As-tu dit que l'agent de sécurité l'a vue dans les alentours? Ça, c'est ce qu'il a dit. J'étais surprise parce que je sais que Chisholm est retourné à Abba. Mais il en était très sûr. Si Chisholm est dans les alentours, alors elle ne peut être qu'à un seul endroit. Et si Chisholm m'avait trompé? Alicia? Alicia? Blessing! 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 Êtes-vous malade? C'est toi la folle! Pourquoi criez-vous comme des folles? C'est toi la chienne! Et une chienne folle! Où est ma sœur? Je ne comprends pas. Je ressemble à la gardienne de ta sœur. Où est ma sœur? Penses-tu que ça, c'est un salon de gardiennage? Je ne garde pas ta sœur. Ou mieux encore, dégagez d'ici. De la même manière dont vous êtes venu. Dégagez. Ça, c'est un endroit résidentiel. Dégage! Pute, ferme ce portail. Mais... Ah, ah. Mais... Ouvrez ce portail. Ouvrez ce portail. Tu t'imagines ces stupides personnes? Chisholm, réveille-toi. Réveille-toi, allons-y. Chisholm. Hey, Chisholm. Chisholm. Hey, Chisholm. Ma puce, allons-y. Je suis là. Hey. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi?
Que se passe-t-il? Chisom, je t'en prie, réveille-toi. Hé, hey, mon Dieu, je suis fini. Chisom, je t'en prie. Hey. Alicia? Alicia? Oui. Oh, elle s'est pas en sortie. Jésus. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Tu sais, dès que je suis entrée dans cet hôpital dont tu m'as parlé, quand je suis arrivée, j'ai vu sa sœur et ses amis pleurer. Cette fille est morte. Oh. Ah, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je pense que tu devrais peut-être appeler. Tu sais, pour t'en guérir. Non. Je ne peux pas faire ça. Je dois appeler. Je peux pas faire ça. Alicia? Mon Dieu. Mon Dieu, pourquoi tu sors? Hey. Que vais-je dire à mes parents maintenant? Mon Dieu, comment n'ai-je pas vu ça? Hey. Ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute. Ne dis pas ça, c'est de ma faute. Ce n'est pas totalement de ma faute. Ce n'est pas ta faute. Hey, ne dis plus ça. Ma sœur, pardon, Chisom. Arrête de te blâmer. Arrête. Non, arrête. Non, arrête, non, je t'en non. prie. Je sais. Mon propre sang. Hey, mon Dieu. Je suis désolée, mon Dieu. Pardonne-moi, je t'en prie. Yvonne, arrête de Chisom, faire ça. Non, s'il te plaît. Où es-tu, mon Dieu? Je suis désolée. Ramène-moi, ma sœur, je t'en prie. Yvonne. Blé. Agaraja doit revenir. Eh. Alors tu es revenue à la maison? Maman, s'il te plaît, je t'en prie. Je n'ai même pas l'énergie pour cette chose que tu veux commencer. Oui, je suis de retour. Je suis de retour. Désolée pour tout ce que je t'ai causé. Tu es désolée? Tu es désolée, Blessing. Bref, que se passe-t-il réellement? Hein? Devrais-je m'inquiéter? J'ai appris que tu as un nouveau nom avec lequel tes amis t'appellent. C'est quoi ce nom? Maman, s'il te plaît. Ma santé mentale n'est pas OK. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je reviens, il y a quelqu'un à la porte. Hein? Bonjour, madame. Nous sommes du CIT. Officier, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, madame. Vous êtes sûr? S'il vous plaît, y a-t-il une femme qui s'appelle Blessing Obi ici? Oui. Pouvons-nous la voir, s'il vous plaît? Officier, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, madame.
Vous avez dit qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème. Blessé ! Blessé ! Viens ! Suivez-nous au commissariat pour un interrogatoire. Questionnez pourquoi ? S'il vous plaît, suivez-nous. Vous saurez tout une fois là-bas. Suivez-nous. Gardez le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Blessing, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je tenais pour ton dit. Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien fait du tout. C'est juste un interrogatoire. Tu... Suivez-nous, Blessing. Madame. Alors c'est ça. Allons-y. Je t'ai parlé. Je te l'ai dit que ce chemin que... Je t'ai averti. Tu ne m'as pas écouté. Ah. Que vais-je faire? Où vais-je aller? Où vais-je commencer? Ah, Destine!